Veuillez recommencer. Oh putain de... Ça va? Okay. J'en ai combien d'albardes? 3? Non, des haches. Ah oui, l'autre c'est l'albarde en fait, c'est pas pareil. Ici. Je crois qu'il y a un coffre derrière à récupérer. Ah mais c'est de la qualité là, là. Ouais, là j'avoue que... Bon, après c'est le premier crash, c'est PC, hein, c'est... Faut toujours que ça crash un jour ou l'autre, mais bon. C'est gênant. Après je suspecte, peut-être c'est on a... Peut-être qu'on a voulu m'envahir. Et du coup ça a crashé parce que... Ça, ça c'est fort possible par contre. À cause de la connexion, je sais pas quoi. Il va tellement lentement le couteau. On va pouvoir faire la peinture aussi. On va peut-être pas la faire maintenant, mais on peut la faire plus tard. Bah le système online. Première fois que je suis allé dans un monde, j'ai été déco directement. Donc bon bah bof. Après quand on m'a envahi, le mec aussi s'est fait déco apparemment directement. Et merde. Oh la vache. Ce qui a bien marché, c'est quand on a mis notre marque des tombes. Le serment des tombes, le serviteur des tombes, ça, ça a bien marché. On a eu 3 mecs en même temps. Là, c'était cool. Donc, quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, c'est... Ça marche pas. La connexion a l'air solide quand elle se fait, en fait. C'est ça, le truc. C'est que ça lag pas quand... Une fois que c'est connecté, c'est connecté. L'orage, si ça affecte la 4G, je dirais que non. Je pense pas. Le parfum anti-cheat, il y en a pas. Il y en a pas du tout, ça a pas la tête. Un anti-cheat dans Dark Souls. Alors ça, c'est la meilleure. L'orage, non, normalement ça doit pas trop affecter la 4G. Sauf si c'est un déluge, mais... Sur les forums, j'ai regardé... Il y a des mecs qui se sont plaints. Ils ont commencé le jeu, donc ils sont bas niveau. Hein. Et il y a des mecs qui envahissent. Et que quand ils te touchent en fait. Alors bon déjà ils te one-shot, hein, ça c'est la base. Le one-shot c'est la base. Mais pas que, ils te one-shot, ils te curse, ils te maudissent. Donc t'as plus que 50% de ta barre de vie. Et voilà, enfin voilà, ils font ça. Je crois qu'il y avait un autre truc en même temps, non? Enfin c'est déjà beaucoup. Et en gros, et le problème c'est que quand tu meurs et que t'es maudit, tu restes comme ça. Il faut une pierre de purge. Sinon, tu restes maudit.
Donc plutôt sympa la communauté PC. Je sais pas pourquoi j'ai bougé le truc. En fait, je voulais aller de l'autre côté, je voulais monter, mais c'est pas grave. Chiant. Ah, oh, et relou. Voilà. Oui, j'ai le feu de Gwendo. Putain, ma vie, merde, j'avais pas vu. Oh non, non. De Gwendoline. Comment j'ai perdu autant de vie? Ok. On reste cool. On reste cool. Pas de problème. J'aime bien les parties à 4 ou 5. Attendez, attendez, parce que si je me prends deux coups en même temps, c'est la mort. Ah voilà, la 4G, elle est solide. Ah voilà. Non! Ça va. Ça va, on va récupérer l'armure de... Je sais pas si on fait la peinture maintenant. Non, on va pas faire la peinture maintenant. On va faire après. Tarkus. Je kiffe les gangbangs. J'aime bien. Ça fait famille. C'est bien. Apparemment, Gult à 4G, elle marche mieux quand il y a de l'eau, en fait. Ce que je veux faire, c'est revenir en haut. Ah ouais, mais non, c'est pas, ça marche. Ah si, c'est là. C'est marrant, j'ai toujours cru qu'on était... J'ai toujours cru qu'on était sur le côté, en fait. Dans cette salle, la salle de Gwendoline. Mais en fait, non, on est sous le temple principal. J'ai toujours cru qu'on était à côté, le côté droit, là-bas. Bizarre. C'est drôle. Par contre, j'ai pas l'anneau. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Je me rappelle plus de l'anneau. Je sais plus. Piège incroyable, droit devant. Ah là oui, l'anneau est dans les catacombes. Merci, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Ouais, loupé un crash. Un crash assez violent. Oh putain.
Voilà, je veux juste aller récupérer les... les blessings. Divine blessing. Je crois. Il est mort. Ah, bonjour. Au revoir. Je veux voir la connerie qui a marqué. Merde, chier. Oh putain, comment? Je veux voir la connerie humaine, s'il vous plaît. Je veux voir ce que les gens ont mis. Ça me fait rire à chaque fois. Allez. Sûrement une connerie par rapport à Guinevere. Yes! Oh putain. Ça, on appelle se faire troll. Voilà, bienvenue dans Dark Souls. Bienvenue dans Dark Souls. Pied. Ah non, pas eux. Pas eux. C'est Broussaille, ça va? Un joli troll sauvage, c'était pas mal, hein. C'était joli. Arrête de faire des sauts. Merde, j'ai activé l'autre. Ah non. Pourquoi il s'active l'autre? Bizarre. C'est censé t'activer comme ça? Ah, t'aurais dû rester. Voilà. Là, il m'a touché, ce con. Yes. C'est par au-dessus. Attends. Je voudrais changer. Change de cible, change de cible. Ok, ou pas. Ok, j'ai complètement loupé ma roulade. Merde. Yes. Voilà.
Bah du coup en fait je commence à confondre en fait avec Dark Souls 3 et le premier. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là il faut passer sur la droite. Ah et on va rencontrer Solaire, c'est vrai. Exact. C'est pas là. Non, c'est pas là. Ça fait chier. Je vais tellement me faire défoncer. Oh la vache, je suis juste là, merde. Ah. Demi-tour. Putain, c'est un giant dad en plus. Il va me défoncer. Ah, ok. Bon, bah, les dégâts arrivent avant l'animation, apparemment. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal, ça. Il était toujours dans le mouvement. J'ai eu les dégâts, ok. Comme tu veux. Comme tu veux. Eh ben, c'est bien, ça. Bon, bah, ça a piqué. Ah mais non, là on est plus en latence, là on est... Je sais pas, là il fait les dégâts avant l'animation, quoi, c'est même stop. Le mec il était déjà tout équipé en armure lourde, le masque du père, grosse épée, en plus imbibé d'électrique, donc ça fait extrêmement mal. Le mec il était prêt, quoi. Il était là pour tuer, quoi. Il était là pour du sang. Oh putain, faut tous retaper. C'est reparti. Je vais peut-être... Ah non, mes âmes sont là. Ouais. On va peut-être... On va voir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Putain, arrête de me taper dans le dos. Merde. Il va me taper à travers le... Et voilà, exactement. Parce que... Fuck la hitbox, quoi. Fuck les murs. Les bonnes flèches qui courbent. Ah, c'est magnifique, ça. J'ai pas de flèches de poison par contre, j'aurais pu les empoisonner, mais non. Qu'est-ce que je vais souffrir? Ça va, tu gères? Ah, tu gères. Je crois qu'il y a une âme de héros à aller récupérer de l'autre côté. Je la tente ou pas? Non. Non, j'ai pas envie. Déjà assez chiant comme ça. Ouais, dans la forteresse de feu. C'est marrant, c'est parce que la forteresse de fer, c'est exactement la même chose avec les flèches qui courbent. Mais après, dans le 3, ça existe plus, je crois. Elles vont juste tout simplement droite. Solaire, je viens de me faire défoncer par un mec, par Giant Dad version 4. Pourquoi? Tu veux pas m'aider? Pourquoi tu m'as pas protégé? Putain,
Putain, ils ont tous le... Le visage de... Le masque du père, putain, c'est abusé. Ah. On se remet en humain parce qu'on est maso. Nyan Striker. Tous ceux qui font du online, ils ont le masque du père, apparemment. Quel stream de la loose? Il n'y a jamais eu de stream de la loose. J'ai toujours... J'allais dire succombé, non. Pas succombé. Surmonter mes défis. Des fois avec du mal, mais on les a tous surmontés. L'équipement de Havel. C'est moi qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le mur en fait. Démon, je crois qu'il est juste au-dessus. C'est où qu'il faut sauter, je me rappelle plus. Ah non, d'abord il faut aider l'autre boulet là. Faut aider l'autre boulet. C'est que des mimiques ici. C'était un très bon moment, Dark Souls 2. Très très bon moment. Est-ce qu'ils viennent derrière moi? Non, ça. Mais en fait, c'était un très bon moment jusqu'à jusqu'à ce qu'on arrive à la forteresse de fer. Hein. C'était juste ça, hein. C'était juste ce problème-là. Ok. Vue imprenable, droit devant, oui. Oh merde.
Merde, j'ai loupé. Oh, putain. Sale con. Ça. Attends. Non, on parle pas de la forteresse. Bah, il est où le... Le boulet? Ah non, il est là-bas, je crois. Mais merde. Oh, la vache. Oh, 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 oh. Là, on a bien... on s'est bien loupé, là, c'est cool. Très bon gameplay. Je crois que j'ai merdé. Ah non, je sais ce que j'ai pas fait. Je sais ce que j'ai pas fait. Je lui ai pas parlé à l'iche-feu. J'ai oublié de lui parler à l'iche-feu en fait. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'iche-feu? Ah mais on peut pas retourner à l'iche-feu maintenant. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Morion, faut pas l'écouter. Ouais, je vais parler dans la forteresse, mais je crois qu'il revient à l'iche-feu à ce moment-là. Et je crois même que c'est à ce moment-là où on rencontre sa fille, peut-être, je crois. Faudrait que je la regarde, cette quête, parce que je me rappelle plus vraiment. Ce qui est con, c'est que je vais pas avoir la magie, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a que lui qui la donne, en plus. A plus phrase. Merci d'être venu. Plus gueule. Tu vas aller sur State of Decay? De toute façon, comme tout le monde, on utilisera Cheat Engine et on se fera. On se donnera tout ce qui nous manque en fait. Dying Light, ok cool. Ah oui, dans le golem, elle est sa fille d'abord en premier. Exact, exact. Bon, pas grave. On n'aura pas ça. Prochain playthrough. Un peu chier parce qu'à chaque fois, si c'est des persos que je vais garder, enfin que je vais beaucoup jouer, j'essaye toujours de tout faire sur la sur le premier run, mais bon là j'ai complètement merdé en fait. J'ai loupé tellement de trucs. Mais bon, c'est pas grave. Qui c'est qui tire? Ah, c'est le mec sur le rebord en fait. Qui est-ce? Ça va, on a compris. On va récupérer l'équipement des chevaliers.
La lance et l'épée des chevaliers de... Deux, là, ils sont vachement bien. Enfin, leurs armes sont vachement bien. Merde. Il va apparaître dans la forteresse, là où t'as les deux hommes serpents. Quand tu tombes à côté de la boule, c'est ça? Trop tôt. Je vais me faire tuer, putain. Oui, je lui ai parlé, là. Viens ici. Ouais, je sais plus. Enfin, je suis sûr de lui avoir parlé à ce moment-là, mais je sais pas pourquoi ça s'active pas. Je sais pas pourquoi il est pas là. Casque. Bah, il fait rien de très spécial. Ça. Ouais, c'est le casque des gargouilles. Bon, est-ce qu'on a fini? Oui. On va aller parler aux géants. La question est... Est-ce qu'on lui dit qu'il va mourir dans le 3 ou pas? Ça, c'est la question. Vous sentez l'œil noir trembler. Lui spoil pas le pauvre. On va aller voir le géant. Ah, je crois qu'il faudrait que je passe par l'extérieur, il y a l'arc à récupérer, non? Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oh mon dieu, je les déteste celles-là. Elles font tout le temps un pas sur en arrière, c'est extrêmement chiant. On va refaire le coup du... Ah merde, il y en a une autre. Ok, on va voir ça plus tard.
Pousse ton gros cul. On va la tuer. Alors, je disais. Allô. Strong I am. Ok. Strong I am. Tu vends pas l'armure? Ah voilà. Armure de géant. Ah oui, c'est vrai que ça va à plus 15 dans Dark Souls 1. Oh putain, qu'est-ce que c'est chiant. Le pire, c'est si je veux des armes de boss. Oh mon dieu, on va en chier. Parce qu'il faut les augmenter à plus 10 ou plus 15. Après, il faut les changer. Ça, c'est vraiment pas un truc qui m'a manqué. C'est tellement plus simple dans le 2 et le 3. C'est très très long dans le premier. Du coup, est-ce que tu vends des grands? Donc là, on peut aller à plus 10 sans problème. Grand fragment de titanite. Oui, c'est ça. Maintenant, il faut modifier, je crois. Âge de guerre de foudre. Non. Âge de golem. Je l'aime bien, mais non. Et là, c'est pour revenir en arrière. Ok. Combien de force? 285. Tom! Si tu prends le serment de Gwendoline, le géant décède. Non, le géant reste en vie. Non, le géant meurt pas dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire, dans le déroulement des événements. Même si on tue Gwendoline ou Guinevere, genre la Dark Londo là où c'est que tout est noir et tout ça, c'est y a pas de problème. Le mec reste dans le noir à forger, mais il est toujours là. Ah merde, putain, j'avais oublié qu'on était là. Oh le con. Pas grave. On va aller prendre Solaire avec nous. Juste parce qu'il me donne un truc solaire en fait. Tout simplement. J'aurais dû mettre 5. Non, 10 Estus au lieu de 5. Ah bah oui, c'est vrai que ça va être difficile comme ça. Hein. Ah, tous les signes.
des gens qui ont des problèmes avec ce boss. Enfin, c'est un peu le boss le plus dur du jeu, quoi. Allez, Solaire, on y va. J'aurais dû prendre 10 astuces, c'est très con ce que je suis en train de faire. Alors un peu les noms. Zili. A Lonely Soul. Ah merde, non, non. Putain, j'étais en train de lire, bordel. C'est normal que j'ai déjà vu un jeu de 2D datant des années 90, plus joli que ça. Je vais rien dire parce que sinon je me fais jeter des pierres. Qui il faut tuer en premier pour avoir l'anneau? Je crois qu'il faut tuer Smog. Solaire, tank Pikachu! Putain, on fait super mal. Oh, oh la vache. Moi, je me tape en flex. Oh mon dieu, mais oh. Boule, c'est ronflex. Et est-ce qu'on lui dit que son armure va devenir un fantôme et il va utiliser un bouclier et tout? Oh merde! J'ai oublié ça. Attends. Ah tiens. Yes. Qu'est-ce que tu fais, Solaire? Tu m'as touché? Merde. Reste dans tes jambes. Ah. Ok. Il fait pas grand chose, Solaire. Il fait vraiment rien. Well, what is it? Yes. Ah, notre récompense. Des melons. Des pastèques. Casse-toi de mon monde. J'ai vu Elix qui avait fait passer ce boss par la fenêtre. Wow. Classe. Leonard a développé l'ustra instinct. What? Overcome much, chosen undead. Come hither, child.
Ah, j'arrive. Je vais venir. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and queen of sunlight. Since the day father is formed in Obscurus, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. C'est moi ou elle bouge plus qu'avant? Enfin, elle. Ça, quoi. Évidemment, il faut le faire parce que sinon, ce serait pas Dark Souls. Ça. Évidemment. C'est mieux quand même, non? C'est pas mal. Bon, bah on va regarder pendant 3 heures. Voilà. Ce qui est emmerdant, c'est qu'elle est toujours dans l'ombre, en fait. Elle a les yeux fermés. C'est pareil? Ok. Oui. Prêtez serment. Voilà. Garde de la princesse. Ah, plus puissant, donc ultra instinct. Ouais, c'est pas mal. Ok, c'est vrai. Ils n'étaient pas plus gros avant. Après, on lui mettra des flèches dans la tête plus tard. Comme ça, ça énervera Gwendoline. Oula, on a plein de trucs là. Oh la vache. Alors, par contre, j'ai un. Je sais pas si. Un d'entre vous du chat sait ou pas. C'est par rapport au serment. Je me rappelle que quand on fait le serment dans la forêt, si on change de serment, ça casse le jeu. Enfin, ça casse le jeu. Non, c'est pas... ça casse pas le jeu, mais ça... On peut plus y revenir. On peut plus reprendre le serment de la forêt. Et ça, c'était extrêmement chiant, en fait, dans le jeu. Dans le premier. Alors, je sais pas s'ils ont changé ça ou pas. Parce que vu qu'on peut changer à tout moment ici... Peut-être que maintenant ça le fait plus. Ouais, on va aller où? Ah oui, non, il faut tuer l'autre con là. Boobs en 4K. Carte de France, putain. C'est ça. On peut aller faire la... On va aller faire la peinture. On va faire la peinture après. D'abord on va envahir, puis après on fait la peinture. Me touche pas, putain. Recherche du monde du coupable. Ah, on a la moitié des astuces. C'était comme ça avant. C'est comme le 3, ça. Enfin, après, si on tue que Lautrec, ça passe, hein. Mais je veux bien tous les tuer, moi, pour le fun. Fais pas attention à moi, Lautrec. Je suis pas là. Apparemment, il s'en fout complètement. Ah, merde. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es faible. Oh mon Dieu. Non, pas ça. Ça fait plusieurs coups.
Putain de PVP, waouh. Oh la vache. Ça c'est dangereux. Fou. Chaud. C'est chaud. Avant il n'y avait pas de soins. Ah c'est bien ce que je pensais. Avant les esprits pouvaient pas avoir de d'estus dans le premier jeu, c'est ça? Maintenant ils l'ont fait un peu à la Dark Souls 3 en fait, ça... Ça te donne la moitié. Est-ce que détruit si OT? Ouais ça a pas changé ça, merde. Non, on va pas le mettre. On va pas le mettre pour le moment. Dark Souls pour les noobs et les boobs. C'est pas mal. Et dire que maintenant on sait qui est censé être là. Le fils. C'est pas solaire. On va où? On va retourner à l'Ichefeu. Ah! Oui. Oup. Yes. Now I can continue my duty as a keeper. I only hope that my impure tongue does not offend. Non, ça va. Forgive me. Please, leave. S'il faut, elle, c'est une des vieilles dans le dans Dark Souls 2, là, qui arrête pas de rire au début du jeu. Une des trois vieilles. 10 estus. Ah, là. Why is a cook... My teacher whom... Wait, friend. Where are you off to? Ça marche, Orion. As prom. I'm the basic frame. Oh, do not fret. Life isn't. J'ai toujours pas sauvé le. Ah, on pourrait aller le sauver. Putain, faut retourner de quel côté? Pas sauvé l'apprenti de l'autre, de Logan. Il y a plein de trucs qui me manquent en fait. Ah non, mais c'est pas là que je voulais aller, putain. C'est pas là. Profondeur? Non, c'est pas. Ah, ça va être un peu un long chemin. Bah, je vais voir si je peux pas sauver le magicien, puis après on va faire la peinture. Par contre, faut repasser par là-bas, c'est chiant. J'ai pas fait le dragon non plus, faut que je le fasse. Dragon rouge. Les profondeurs, le tunnel. Ah, on peut. C'est plus rapide.
sûrement plus rapide. C'est à ce feu-là que je voulais me téléporter, mais apparemment on peut pas se téléporter à ce feu-là. Ou alors il s'appelle les profondeurs, ce feu. Non, c'est pas celui-là. Ouais, non. Non, apparemment on peut pas se téléporter à celui-là.